Prémission médicale vous est présentée en partenariat avec santémaghreb.com, le guide de la médecine et de la santé au Maghreb. Nous sommes ici à Dunkerque où il y avait d'abord l'ancien hôpital, le vieil hôpital dont on peut aller visiter les vieilles pierres, comme on dit, des beaux bâtiments d'ailleurs classés pour la plupart et qui servent aujourd'hui de bureaux administratifs et qui nécessitent une rénovation appropriée vu qu'il s'agit de bâtiments classés. Mais à côté de ça, il y a un nouvel hôpital qui a été construit dans les années 70, qui même nécessite aujourd'hui quelques rénovations aussi. Et à cet hôpital-là, s'est greffé, s'est attaché ce nouveau centre de médecine nucléaire, puisqu'il fallait vraiment une nouvelle construction qui soit adaptée aux normes actuelles, et notamment aux normes de radioprotection, et que la dalle puisse supporter notamment le poids des appareils. L'hôpital est construit en jet de pierre du centre de Dunkerque, mais aussi en bordure d'autoroute. Donc on y a accès très vite. Ça permet évidemment, que lorsqu'il y a des accidentés de la route, de pouvoir les transporter rapidement au service des urgences de Dunkerque, qui est relativement bien situé, on va dire, en termes de positionnement géographique pour pouvoir et servir la population de Dunkerque et en même temps servir les accidentés de la route et la rapidité et l'accessibilité. Donc sur cet hôpital-là, à l'intérieur même des locaux de l'hôpital, il n'y avait pas moyen de trouver un espace nécessaire pour accueillir ce centre de médecine nucléaire. Donc il a fallu construire un petit bâtiment attenant et qu'on a voulu qu'il soit intégré vraiment à l'hôpital. Donc il est vraiment collé à une des tours. L'exposition à l'amiante étant peut-être le plus important de France, puisque à la reconstruction de Dunkerque, après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu beaucoup d'usines qui se sont installées sur le port de Dunkerque et l'utilisation de l'amiante a été faite de façon assez importante et dont on ne connaissait peut-être pas encore les méfaits à l'époque. Et aujourd'hui, sachant que l'amiante entraîne des conséquences 25 à 30 ans plus tard, donc on assiste aujourd'hui à un pic de maladies liées à l'amiante, notamment le cancer de la plèvre, qu'on appelle le mésothélium, qui peut être foudroyant. Ici, je suis dans mon bureau de la zone dite chaude, puisque je suis à proximité des salles de gamma caméra, de TEPSCAN.
je suis à proximité de la salle d'épreuve d'effort et donc ça me permet d'intervenir rapidement en cas de souci. Si un patient a un malaise, s'il faut le voir rapidement, ça me permet d'y accéder très vite. Donc c'est pour ça que dans la conception du service, on a mis un bureau dit chaud, puisqu'il est à proximité de l'examen réalisé du patient. Par contre, dans la partie froide, il y a aussi d'autres bureaux pour recevoir des patients, que ce soit surtout avant l'examen, puisqu'ils ne sont pas radioactifs. Alors ici on s'est doté d'un outil informatique extraordinaire puisque ça permet alors ici vous allez rire parce que voilà, moi quand j'arrive le matin, je regarde la presse algérienne. Et donc là ici par exemple, voilà, j'étais en train de lire Liberté, opposition, l'heure des révisions déchirantes. Donc j'étais en train j'aime bien regarder Ali Dilem et je voyais ici le nouveau président français, il a 39 ans, et je vois que le président algérien lui répond « je suis ton grand-père ». Donc c'est très sympathique. Donc ma journée commence très souvent par lire la presse algérienne. C'est une façon pour moi de m'informer de ce qui se passe dans mon pays d'origine. Je la lis rapidement, ça me prend 5 minutes, et je me fais une petite opinion vite fait de ce qu'il y a de particulier, pas plus. Est-ce qu'on rappelle, docteur Habib, que vous avez fait votre médecine en Algérie ? Non, non, pas du tout. Ah, pardon. Ah, non, oh là, j'ai, là, là, là. Non, non, j'ai commencé, j'ai eu mon baccalauréat à Tizi Ouzou. J'ai commencé mes études universitaires de médecine à Tizi Ouzou. J'ai eu la chance ou la malchance, je ne sais pas, de participer au soulèvement de 1980, lorsque la conférence de Mouloud Mamré avait été interdite. Et d'ailleurs, ce que je vais révéler aujourd'hui, ce sera peut-être un scoop, puisque personne ne s'en souvient. Cette fameuse conférence de Mamré qui avait été annulée, elle avait été réorganisée un an plus tard, quand même. Personne ne se souvient de cela. Et ben c'est moi qui l'ai réorganisé. Donc je l'ai réorganisé avec quelqu'un que vous connaissez certainement bien, c'est Han Saadi, et celui qui était professeur à l'INALCO et qui est retraité maintenant, monsieur... Chaker. Et donc j'ai eu la chance personnellement, j'avais à peine 19 ans, d'avoir réorganisé en mars 1981 cette fameuse conférence auquel avaient assisté M. Chalem Saker et Han Saadi. Et on a eu malheureusement que très peu de personnes au fond, mais Mamré a quand même refait cette fameuse conférence sur la poésie kabyle ancienne. D'ailleurs, il m'avait un petit peu embêté ce jour-là, à juste titre. On avait ramené une sonorisation qui était complètement nulle. C'était une espèce de haut-parleur. Les moyens du bord. Avec les moyens du bord de l'époque. Et donc, il y avait un peu trop d'écho dans l'auditoire pour la conférence qu'il donnait. Mais elle a été quand même été réorganisée. Donc voilà. Donc après ça, j'ai quitté l'Algérie et ma Kabylie natale. Je suis venu à Paris. Et j'ai eu la chance de faire des études de médecine en Belgique. Donc je suis devenu par adoption belge et j'ai fait mes études de médecine complètes en Belgique et j'ai fait ma spécialité complète en Belgique. Et après 20 ans milieu hospitalier belge, où j'ai déjà installé un TEPSCAN là-bas au CHU de Charleroi, j'ai traversé la frontière et je suis venu à Dunkerque. On est à 15 km de la frontière belge et comme c'est un projet franco-belge au fond, ce TEPSCAN qui vient d'être installé. Ma formation en médecine nucléaire, je l'ai faite en flamand. Donc je parle la langue de Vondel, pas uniquement celle de Victor Hugo. Et donc un peu bilingue, on va dire. Et donc j'étais pratiquement, on va dire, indiqué pour faire cette activité. Voilà, donc l'idée, c'est de recevoir effectivement des patients belges. Une scintigraphie osseuse qui est un examen très sensible pour détecter les maladies liées à l'os ou aux articulations,
Ce qu'on vous a injecté, c'était du phosphate, et sachant que lorsqu'on sort du phosphate et du calcium, ça permet de voir une modification de l'os par une accumulation de phosphate inhabituelle que la caméra va détecter, puisque ce phosphate il est associé à une molécule radioactive qui est le technétium. Alors vous avez, vous voyez de l'intérieur comment ça se présente. Vous voyez que c'est physique est très beau. Hein. Ouais. N'est-ce pas, on se reconnaît, hein. Ouais, on se reconnaît c'est bien tout là-dedans. Ah, c'est tout vous. Hein. C'est j'ai cru que c'était moi. Donc, en fait, le gros avantage d'une scintigraphie osseuse, c'est que tout le monde peut s'y reconnaître. Ouais, tout à fait. Ouais. La différence n'est pas très grande. Elle peut être différente suivant l'âge quand même. Hein, parce que, une scintigraphie d'une personne jeune n'est pas la même que celle de quelqu'un de plus âgé, évidemment. Donc ici, vous voyez que vous avez votre colonne qui est là, qui est quasiment droite. On distingue vos articulations qui sont asymétriques. Vos côtes, vous pouvez les compter une par une. Et on voit que tout ceci, ma foi, a l'air d'être normal. Ce que l'on voit ici, cette espèce de point noir, c'est la vessie, puisque produit étant éliminé par voie urinaire. Alors, on a complété cet examen par les acquisitions au niveau des mains et des pieds, pour voir un petit peu vos articulations des mains et des pieds, s'il y a quelque chose de particulier. Ici, on voit très très bien que tout ça est homogène, harmonieux, et qu'il n'y a pas de soucis particuliers à visualiser. On a continué par faisant tourner l'appareil autour de vous pour faire ce qu'on appelle une tomoscintigraphie, et ça permet de voir la qualité de vos vertèbres et des disques vertébraux et de la jonction lombosacrée. Mieux encore, on a évalué cette colonne en associant un scanner dessus et on arrive à trouver que dans le bas de la colonne, entre la cinquième vertèbre lombaire et la première vertèbre sacrale, donc dans le bas, vous avez un peu de discopathie. Donc d'arthrose qui est en train de s'installer, qui peut faire l'objet de douleurs avec le mouvement lombaire basse. Oui. Moi, ça m'arrive d'avoir même en levant. Surtout voilà, quand on passe d'une position assise à une position debout, ou couchée à une position debout, cette articulation-là, qui n'est pas vraiment une articulation, mais ce mouvement-là, va entraîner un point de douleur électif, puisqu'il y a malheureusement un peu de la discopathie et donc une modification. Osseuse, la structure osseuse, donc de l'arthrose qui s'installe. D'accord. Et ça, il n'y a rien à faire, ça. Pour l'instant, ce n'est pas encore grave, pas handicapant en tous les cas pour vous. Donc, il n'y a pas grand-chose à faire, sauf d'augmenter quand même la musculature lombaire. Parce que très souvent, vous allez faire des mouvements intempestifs en soulevant les patients ou en soulevant quelque chose. Mais votre musculature dorsale n'est pas préparée pour ça. Vous ne l'utilisez pas en réalité. Donc, pour tout un chacun, on a une musculature dorsale qu'on n'utilise pas. Enfin, on ne fait pas tout la natation, on ne fait pas tout un sport particulier, alors qu'il est peut-être nécessaire d'avoir une musculature lombaire qui soit quand même tonique, parce que c'est comme un pont qui a des haubans. Tant que ces haubans sont bien tendus, le pont il est bien solide. Si les haubans ne sont plus bien tendus, le pont est bizarre. Hein. Donc la colonne, c'est un peu le même principe. Vous avez l'architecture de la colonne qui est comme ça, mais cette colonne-là, elle est tenue par toute une musculature dorsale et lombaire. Si elle n'est pas tonique, cette musculature n'est pas tonique, cette colonne est plus aussi bien soutenue. Donc avec l'âge et avec les modifications articulaires avoir au niveau de cette colonne, elle peut être sujette à des douleurs. La personne peut être sujette à des douleurs de par la mobilisation de ces petites articulations qui sont usées. Voilà, donc dans votre situation, si on résume un peu le problème, vous avez des douleurs lombaires et articulaires périphériques qui sont manifestes, qui à la scintigraphie ne se manifestent pas par une iconographie particulière à part la jonction lombosacrée. Et comme l'a dit si bien votre rhumatologue, au vu d'une biologie qui était tout à fait normale, on s'oriente plutôt vers ce qu'on appelle une fibromyalgie, qui est une maladie dans laquelle on a une diminution du seuil de la douleur qui peut nous occasionner ces douleurs un petit peu comme ça, voyageantes, on va dire, régulièrement. Soit vous repassez, puisque vous n'êtes pas loin, il faut le reprendre avec vous et le transmettre directement à votre médecin traitant, le médecin spécialiste. Et nous, on ne garde pas les dossiers, donc on vous remet un dossier complet, puisque tout est informatisé. D'accord. Donc je stocke tout sur informatique ici.
Donc ça permet de ne pas avoir du tout le dossier papier qu'ils en font encombrant. Voilà. On vient de voir une patiente qui souffre de pathologie plutôt liée à des problèmes de fonctionnels, c'est ça ? Particulière. Est-ce qu'on peut imaginer un jour que le TEP scan soit généralisé à tout diagnostic, tout dépistage de maladie autre que les pathologies cancéreuses ? Ou est-ce que c'est aujourd'hui ? Mais il l'est déjà. Il l'est, mais ici ? Il l'est, mais on ne l'utilise pas essentiellement pour ça, mais il peut. Pour les rhumatismes, il peut, puisque le rhumatisme, au fond, c'est une maladie inflammatoire. Et que le TEP scan est très sensible pour tout ce qui est maladie inflammatoire et infectieuse. Au fond, c'est quoi le TEP scan ? C'est la tomographie par émission de positons, et dans ce cas-ci, on injecte du sucre radioactif, qui, ce sucre-là, constitue un carburant pour des cellules qui sont en activité importante. Que ce soit une cellule cancéreuse qui a une activité énorme de prolifération, ou pour une cellule de type macrophage qui a une activité inflammatoire, il y a cette consommation de sucre et donc de carburant. Et donc, toute activité métabolique nécessitant une consommation entre guillemets de carburant qui est une cause est une activité détectable par le TEP scan. Et donc, toute maladie qui est liée à cette activité métabolique importante peut être détectée par le TEP scan. Zéro contre-indication à part la femme enceinte ou allaitante. Et encore pour allaitante, c'est uniquement dans la journée. Le lendemain, il n'y a plus de radioactivité ambiante dans le corps, mais c'est surtout la femme enceinte. C'est la seule contre-indication qui existe pour le TEP scan. Des effets qu'on pourrait juger indésirables ? Non plus. À part la claustrophobie qui peut être. L'un ou l'autre patient peut avoir, puisqu'il y a un petit tunnel là, qu'on a vu tout à l'heure dans lequel il doit se positionner, mais sinon il n'y a aucune contre-indication particulière ou effet indésirable particulier. On parlait des personnes qui souffrent d'incontinence éventuellement qui peuvent. Alors, donc une personne incontinente, surtout sur l'appareil, parce que si on. évidemment, l'appareil est contaminé, ça c'est fort embêtant, puisqu'on est bloqué pour la journée, voire même pour deux jours. Ça peut être embêtant pour l'entourage immédiat, puisqu'il faut quand même gérer un petit peu cette incontinence, mais sans plus. La durée de l'examen en soi ? Alors, la durée en TEP scan, c'est grosso modo, on va dire 20 minutes, et en gamma caméra aussi. De façon générale, c'est un examen qui dure 20 minutes. Et la préparation, le temps de préparation ? Par contre, la préparation peut varier d'un type d'examen à l'autre. Pour un TEP scan, il faut une heure de préparation. Donc pour que le produit soit bien incorporé. Pour la gamma caméra, scintigraphie en général, ce soit 10 minutes, soit 2 à 3 heures. On nous demande de venir à jeun, pourquoi ? Alors à jeun, c'est essentiellement pour le TEP scan. Pourquoi ? Parce que, je vais me répéter, c'est du sucre qu'on injecte, radioactif, et donc pour que l'on soit sûr qu'il n'y ait pas de saturation de sucre normal, on va dire, dans l'organisme, on met toutes les cellules en avidité, c'est-à-dire en manque de sucre, et 6 heures avant, ou plusieurs heures d'être à jeun. Donc souvent, comme l'examen se fait le matin, donc on leur demande d'être à jeun depuis la veille. Donc ce manque-là va être vite comblé, on va dire, par du sucre qui est injecté, qui est happé immédiatement par les cellules. Donc à ce moment-là, une meilleure qualité d'imagerie. Est-ce qu'en sortant, quittant, parce que ça se fait en ambulatoire, c'est ça ? Est-ce qu'il y a des précautions particulières à prendre ? Est-ce qu'il y a un régime alimentaire à suivre pendant les heures qui suivent ? Régime, non, pas du tout. À part boire de l'eau pour essayer d'éliminer l'excédent. Donc on conseille aux gens de boire à peu près un litre d'eau et de pouvoir tirer la chasse d'eau des toilettes et d'utiliser de façon... correct ces toilettes, on va dire en mettre partout, par protection aux autres. De ne pas se retrouver à côté de femmes enceintes ou d'enfants, pour éviter de les irradier de façon inutile, sachant que dans la vie d'un individu, aujourd'hui, de par des voyages en avion ou de par des imageries médicales, il va recevoir des doses radioactives qui sont cumulatives. Et donc, autant faire ce peut de protéger les enfants cette irradiation, sachant qu'ils le seront de toute façon par la suite. L'autre précaution qu'il faut prendre, c'est quand il y a des traitements, éventuellement
dur de 131 où les gens sont un peu confinés chez eux pendant quelques jours. Et des personnes qui sont en insuffisance rénale modérée ou c'est pas une contre-indication ? Non, c'est pas du tout une contre-indication puisque l'élimination du produit, c'est pas une question de volume, c'est une question de radioactivité. Et là, c'est ce qu'on appelle de la décroissance, donc c'est du temps. C'est en général pour le fluor, c'est 2 heures. Donc au bout de 10 périodes, donc de 20 heures, au bout d'une journée, il n'y a plus rien. Si c'est du technétium, c'est 2-3 jours où il y a zéro radioactivité à la fin. Ça, c'est indiscrétion, mais je vais garder la question quand même. Est-ce que les produits évacués colorent les urines ? Pas du tout. D'accord. Pas du tout. Donc, aucune coloration urinaire. C'est des produits qui sont totalement incolores, inodores et je précise, non allergisants. D'accord. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, puisque ce sont des quantités extrêmement infinitésimales qui sont injectées, donc une réaction allergique est très, très peu probable. Contrairement à, on n'utilise pas d'iode en l'occurrence. On peut l'utiliser pour les thyroïdes, mais c'est des quantités très très faibles, à l'inverse du scanner où c'est des bolus de produits iodés qui sont injectés, et là c'est parce que la quantité est importante que la réaction allergique peut-être peut survenir. Mardi, je peux cliquer dessus et j'ai tous les patients que j'ai fait. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc voilà, c'est une petite journée au fond, puisqu'on est en démarrage, où il y a eu 1, 2, 3, 4, 5 TEP et 5 scintigraphies classiques. Donc une dizaine d'examens. Donc ça démarre bien. À terme, on arrivera entre 30 et 40 examens par jour. On voit d'ailleurs que tout est informatisé. L'idée, c'est de plus pratiquement zéro papier dorénavant. Il y a pratiquement zéro papier. On le donne quand même des dossiers aux patients parce que psychologiquement, c'est important pour eux de repartir avec un dossier et un examen en main. Mais ça ne sera plus nécessaire puisque tout sera informatisé. Et les médecins, voire même les patients, peuvent se loguer sur le serveur du centre et visualiser eux-mêmes et les images et les comptes rendus. La totalité, la globalité des examens sont accessibles aux patients. Seront accessibles aux médecins et aux patients via un login qu'on leur donne. Et donc il y aura par examen et par patient un login qui sera donné et il peut directement de chez lui, via internet bien sûr, aller visualiser son examen et son compte rendu. Pareil pour le médecin évidemment, qui peut directement visualiser cet examen-là et le compte rendu de son domicile, de son cabinet. On a l'imagerie qui est là, qui est stockée. On a les données du patient qui sont là. On a les paramètres ici. Donc je peux tout essayer de savoir sur ce patient. La même chose, je peux vérifier tout ce que j'ai sur la semaine et je peux vérifier tout ça à distance de chez moi. En ambulatoire, au mois d'avril, 58 examens d'ouvrir qui sont en ambulatoire, 2 hospitalisés ailleurs et 9 hospitalisés à l'hôpital d'ici. Le mois de mai, on est déjà à 37 examens d'ambulatoire et on n'est que 9. Donc c'est en train de monter lentement depuis qu'on a ouvert et donc ça permet d'avoir une statistique qu'on rappelle juste que le centre est un établissement privé. C'est un établissement semi-privé qui est un établissement de gestion publique confiée. Voilà, j'appelle moi ça comme ça. C'est de la gestion publique confiée. C'était la seule possibilité en fait, enfin, entre autres, pour pouvoir réaliser ce centre. Où il y avait un partenariat entre des médecins et l'hôpital pour pouvoir le monter. Et donc avec un type de financement bancaire qui était organisé, que l'hôpital ne pouvait pas faire seul. Etc. Qu'est-ce que tu me demandes ça ? Hôpital Saint-Vincent de Paul, docteur Hélène. Donc ici je dois valider des ordonnances. Venez, sacro-iliaque, main, pied,
et tombe. On cherche nodule de 13 mm de l'extension d'aval au niveau du lobe moyen. Donc c'est un poumon. Et donc un AFDG. C'est un examen très spécifique et très coûteux, malheureusement. Donc c'est lorsque un patient qui a un cancer de la prostate, donc nous allons faire référence à notre ami et collègue Amara, qui s'occupe de ce service dont il est le chef à Dunkerque. Lorsque des patients qui ont eu un cancer de la prostate et qui a une augmentation du PSA, qui est un marqueur tumoral, et qu'ils ont été opérés ou irradiés et que l'on n'arrive pas vraiment à détecter où se trouve le foyer tumoral, à ce moment-là, la colline est une indication. Et c'est, elle consiste en quoi ? La colline, c'est un TEP scan aussi, d'accord, mais c'est avec un produit pharmaceutique spécifique pour la prostate. D'accord, mais c'est pas proposé en première intention. Il n'est pas proposé en première intention parce que ce n'est pas une nécessité. Et puis aussi, pour l'instant, il est beaucoup trop coûteux. Donc, c'est un service que je rends à la population de Dunkerque en utilisant le TEP scan à la colline et en ayant une gestion un petit peu parcimonieuse de cet examen-là, uniquement pour des situations bien indiquées. Je suis chef de service du service d'urologie au centre hospitalier de Dunkerque. Ma spécialité, c'est la chirurgie urologique et j'ai une orientation un peu plus spécifique en cancérologie urinaire. Donc, je suis arrivé à Dunkerque donc là, il y a environ 15 ans. J'étais ancien interne du CHR de Lille, ancien chef de clinique aussi du CHRU de Lille. Et durant mon cursus, j'ai eu l'occasion de travailler pendant presque 2 ans aux États-Unis, à l'Université de Californie, à Los Angeles, à l'UCLA, dans le cadre d'un fellowship. Et en rentrant des États-Unis, je me suis installé dans ma ville, on va dire natale, à Dunkerque, ce qui m'a permis de créer un service de chirurgie avec une petite équipe de 4 praticiens actuellement, avec des internes du CHR de Lille, donc une petite connotation universitaire. Et puis de créer une dynamique, notamment cancérologique, pour la prise en charge des patients du Dunkerquois. Le PET scan, c'est un élément en plus dans le cadre d'une prise en charge globale des patients en cancérologie. Alors, le PET scan concerne évidemment la cancérologie urologique, c'est-à-dire ma spécialité à proprement parler, mais elle concerne tout un panel d'autres spécialités, et notamment, surtout puisqu'on est à Dunkerque, toute la pathologie pulmonaire et concernant la plèvre avec l'asbestose, qui est une pathologie, une maladie professionnelle. Donc il était important qu'on puisse bénéficier à Dunkerque d'une prise en charge globale cancérologique, mais aussi plus spécifique de la pathologie pulmonaire extrêmement fréquente à Dunkerque. Avec les chantiers de France, toute la pathologie qui est liée à l'amiante, qui a fait des ravages. Concernant ma spécialité, ça fait partie d'un ensemble de choses qui nous permettent d'avoir une prise en charge optimale des patients, puisqu'on a de la chance d'avoir un plateau technique actuellement qui est très très large, qui nous permet d'une prise en charge du patient du diagnostic jusqu'à son traitement chirurgical. Et le PET scan s'inscrit dans le cadre du bilan d'extension avec des indications très spécifiques en cancérologie urinaire. Le premier cancer dont on parle le plus souvent est le cancer de la prostate, qui est le cancer le plus fréquent chez l'homme, qu'on diagnostique de plus en plus, qui se soigne de manière extrêmement efficace. En dehors du cancer de la prostate, qui est donc le cancer le plus fréquent, on a tout l'arbre urinaire, donc le cancer du rein, le cancer du reste des voies urinaires, le cancer de la vessie, vous avez aussi le cancer du testicule et le reste des organes génitaux externes. Donc c'est une pathologie oncologique. Alors le cancer de la prostate, c'est le cancer le plus fréquent chez l'homme de plus de 50 ans. Donc ça c'est un état de fait, on peut le dépister actuellement et il se soigne parfaitement bien. Je dis souvent à mes patients que l'objectif c'est qu'ils, même s'ils ont eu un cancer prostatique, le terme fait peur, c'est qu'il n'y ait pas de diminution de leur espérance de vie si la prise en charge est faite de manière efficace. Donc le cancer de la prostate est une pathologie un peu particulière, qu'on soigne, qu'on dépiste, qu'on soigne de manière tout à fait efficace. Ensuite, on a d'autres types de cancers, notamment les cancers de vessie. Les cancers de vessie sont souvent en rapport avec des habitus qui ne sont pas très très satisfaisants, notamment le tabagisme, et souvent la combinaison alcool-tabac, l'alcoolo-tabagisme, qui sont des facteurs de risque assez graves. Le cancer de la vessie est un cancer extrêmement grave
quoi qu'il en soit, qui nécessite des diagnostics, une prise en charge rapide, et la prise en charge est extrêmement longue. Et ensuite, on a tout le reste des cancers, des pathologies que je vois régulièrement, le cancer du rein. Ce sont des cancers, globalement, lorsqu'ils sont pris en charge précocement, se soignent de manière extrêmement efficace. La part de cancers familiaux dans le cancer de prostate est extrêmement faible. Il en existe une, mais elle est faible. Ce n'est pas l'élément, c'est pas la population essentielle que l'on traite. Cancer du rein, il existe aussi une part, on va dire, familiale, parfois génétique, mais qui n'est pas l'élément le plus important. On a une offre de soins, notamment dans le Dunkerquois, qui est assez large et qui permet de prendre en charge toute la population dans sa globalité. On va des enfants jusqu'au sujet extrêmement âgé. Donc on dirait qu'il y a un petit biais me concernant, parce que je fais essentiellement de la cancérologie, mais on traite aussi toutes les autres pathologies, notamment la pathologie des calculs des reins, la pathologie lithiasique, qui est extrêmement fréquente, notamment chez les populations maghrébines, qui est liée souvent à l'alimentation, qui entraîne la production de beaucoup de calculs. C'est lié au fait que toutes ces populations qui ont migré se sont adaptées progressivement au mode de vie, on va dire, occidental, avec notamment un certain nombre d'excès. Notamment, pas prédisposés génétiquement. Tout à fait, bien au contraire, je pense que les prédispositions, notamment l'alimentation qu'ils avaient avant, étaient plutôt protectrice, c'est une alimentation dite méditerranéenne qui était plutôt protectrice à différents niveaux, mais ça s'est vu dans toutes les, c'est comme les populations asiatiques qui ont migré en Amérique du Nord, on s'aperçoit au fur et à mesure que les populations, j'aime pas ce terme-là, mais on l'utilise, s'occidentalisent même dans leur alimentation et arrivent à un moment ou à un autre à des facteurs de risque qui sont identiques aux gens qui vivent, qui ont toujours vécu au même endroit. En pratique, alors moi je suis très content, je pense que l'ensemble de la population dunkerquoise et les médecins qui font de la cancérologie sont très contents de l'installation du TEPSCAN sur Dunkerque. Je vous dis, ça fait partie c'est un ensemble concernant la prise en charge qui va du diagnostic jusqu'au bilan d'extension. Donc il était important que pour une structure comme la nôtre, nous puissions avoir accès à nos patients au TEPSCAN. Alors initialement, on envoyait nos patients ailleurs, puisqu'il faut proposer aux patients évidemment une prise en charge diagnostique et de bilan aussi complète que possible, donc on les envoyait à l'extérieur. On n'a jamais trop compris pourquoi on a mis autant de temps, mais après, bon, il faut savoir que ce sont des structures qui sont d'installation extrêmement coûteuses. On a de la chance aussi d'avoir deux praticiens, on va dire, efficaces et proactifs, qui se sont battus, je sais aussi, avec les associations d'usagers, etc., pour qu'on puisse implanter ce TEPSCAN et pouvoir faire bénéficier la population, mais aussi les médecins dans le cadre de leur prise en charge, de cette imagerie extrêmement importante. Oui, si vous le voulez. La région dont sont originaires vos parents. Alors, votre papa est de... Alors, mon papa a vécu il y a très longtemps, parce que mon père est né en 1930, vous imaginez. Donc, c'est un Kabyle d'origine. Donc, son père et sa mère étaient Kabyles. Le père, donc mon arrière-grand-père, paix à son âme, avait travaillé en France dans les mines. Il avait même été enrôlé pendant la guerre 14-18 dans les troupes. Donc voilà, donc mon père est Kabyle, et pendant les événements, pendant la guerre, il s'est pas engagé puisque c'était la marine marchande, il a pris un bateau, à l'époque tout le monde était français en Algérie, c'était une région française, et donc il vivait dans la capitale, Alger, et puis il a voyagé, il a fait le tour du monde pendant on va dire plus de 10 ans je pense, et il s'est arrêté à Dunkerque où il a appris un métier, on va dire, très rapidement. Et puis, voilà, la vie a continué. Il s'est marié aussi avec ma maman, qui est de Kabyle aussi. Et voilà, ils ont eu deux enfants, dont moi. Ils sont fiers de votre parcours, Oui, absolument. C'est-à-dire que moi, j'estime que la France nous a donné la possibilité d'aller à l'école de la République, d'avoir un enseignement de qualité.
Je n'ai jamais trop ressenti de discrimination particulière. Voilà. Hein, je suis issu d'une famille d'ouvriers. Comme toutes les familles d'ouvriers, les choses sont parfois un peu plus difficiles, mais ça, c'est tout à fait classique. Donc, je n'ai pas j'ai suivi un cursus parfaitement classique, hein, que primaire, collège, lycée, bac, et puis après les études supérieures. Et puis mes prises de fonction dans un hôpital public. Je dirais que tout s'est fait de manière relativement simple. Et je pense que lorsque... J'aime pas le terme intégration. Hein, toutes ces bêtises comme les beurres, etc. Moi, je ne comprends rien à tous ces discours qui m'embêtent même. Hein, D'autant plus que vous êtes ch'ti avant tout. Absolument. Je veux dire, on est français, point. Hein, il faut savoir que... je dirais même français patriote. Moi, je ne vois aucun problème métaphysique à dire qu'une personne qui est née en France puisse aimer la France, ce qui est tout à fait logique, et puisse aimer d'autres pays, notamment le pays dont il est originaire. C'est tout à fait classique. Et la culture kabyle que je revendique, puisque Kabylie, c'est une culture assez particulière. Mais moi, je revendique ce type de choses. La victimisation et toutes ces choses-là m'horripilent. C'est une solution de facilité. La France offre aux gens qui vivent en France, qui respectent les lois, mais qu'on doit respecter dans tout pays, hein, tout pays, offre des possibilités tout à fait intéressantes dans un respect mutuel. Et je pense que c'est l'élément fondamental, c'est l'éducation et le respect mutuel. Perspective d'avenir, une perspective professionnelle du docteur Amara. Alors moi, je suis déjà avancé dans mon cursus. Là, je suis chef de service et chef du pôle de chirurgie cancérologie. Donc, ce qui m'intéresse, c'est toujours développer, puisque c'est une passion, hein, les chirurgies minimum invasives. On a de la chance d'avoir notamment le robot chirurgical. L'hôpital de Dunkerque est l'un des premiers établissements publics de santé hors CHU à être doté du robot. Hein. Qui est un nouveau concept chirurgical, mais qui est, à mon avis, indispensable. Donc, nous avons un plateau technique extrêmement performant. Et la chirurgie robotique, comme la chirurgie en général, sont des spécialités qui évoluent continuellement jour après jour. Et voilà, donc... Nécessité, un niveau de technicité. En fait, j'ai l'impression, moi, de voir maintenant les chirurgiens travailler comme s'ils jouaient à la console. Complètement. Eh bien, vous avez utilisé le terme complètement adapté. Lorsqu'on opère, donc on est passé de la chirurgie à ciel ouvert, classique, où on travaille avec nos mains directement et des cicatrices. On est passé à la deuxième étape, qui est la chirurgie laparoscopique, où on utilise des petits orifices, c'est la célioscopie, jusqu'à la célioscopie robot-assistée, assistée par ordinateur, qui est actuellement NEC plus ultra. Donc voilà, c'est l'évolution chirurgicale qui s'est faite. Et ce qui est intéressant pour un chirurgien, c'est de pouvoir s'inscrire dans toutes les étapes et de pouvoir les posséder, hein, et de ne jamais se laisser dépasser. Donc on est vraiment dans cette, en tout cas dans mon service et dans ma structure, puisque je m'occupe de la chirurgie en général, à la fois thoracique, notamment l'un de nos praticiens qui est professeur au CHR de Lille, qui propose une prise en charge pour le cancer du poumon par ces techniques. On est l'une des rares structures à proposer cette prise en charge, mais la gynécologie, etc. Donc ce sont des pratiques qui évoluent constamment, extrêmement intéressantes. Voilà, donc je m'inscris surtout dans cette dynamique, avec des visions maintenant un peu plus larges, c'est-à-dire vous me parliez un petit peu de... Voilà, ce qui me plairait, c'est de pouvoir partager l'enseignement ailleurs, de pouvoir faire profiter certains de mes collègues ailleurs, soit en France, soit dans le monde. Je suis très en contact avec mes anciens collègues américains, notamment le professeur Patel, qui est un de mes meilleurs amis, avec qui j'ai pu travailler pendant des années, qui s'occupe d'un service de chirurgie à l'université du Texas, donc qui vient régulièrement. Voilà, donc on a des échanges avec les États-Unis qui se font de manière très simple. Ce qui m'a toujours embêté, c'est que, voilà, vous prenez un vol de Paris, vous êtes une heure en Afrique du Nord, et là, le trajet, le voyage se fait de manière plus difficile. Les échanges sont un peu plus compliqués. Voilà, les choses changeront probablement, hein. En tout cas, je l'espère, hein, c'est mon souhait le plus profond.